Salut à tous, ici Poncho et Kiki. Salut. c'est en train, ouais, on est t'as vu chaud. ça? Ouais, on est chaud, mais c'est excusez-moi, c'est. Et on est hyper chaud parce qu'aujourd'hui. Ouais, on est là avec Petit Poncho pour faire un tuto, le premier tuto, c'est la première partie du tuto. Il est arrivé sur Urban Terror. Petit Poncho, insinuerais-tu que j'en ai une toute petite? Oui. on va commencer le tuto sur Urban Terror, je pense que ce sera en plusieurs épisodes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais ouais, donc c'est le premier épisode, je pense qu'on va voir les dégâts cet épisode-là. Ouais, les dégâts et les armes en général. Ouais, okay. Mais je pense qu'avant déjà on va vous dire les touches, donc pour sauter normalement à la base c'est espace. Là, je crois qu'à l'origine. Z pour avancer, Q à gauche, D vous à droite, S en arrière. Alors vas-y, mets-moi une balle dans le pied s'il te plaît. Tiens. Une seule, et A c'est pour se soigner. Et donc voilà, donc en gros sur Urban Tower il y a un truc qui est, je trouve, bien fait, qui n'est pas sur les autres jeux, c'est le saignement. Ouais, mais... En gros, avec certaines balles, pas toutes, genre par exemple les balles de Negev, on expliquera après. Là, en gros, avec beaucoup de balles, tu saignes. Tu prends une balle, tu saignes à l'endroit où tu t'es pris. Donc en gros, si tu tires dans les pieds, bah, tu saignes les pieds, ce qui fait du coup que tu sautes moins haut. Si je lui tire une balle, attends, bouge pas, je lui tire une balle dans le bras. Non, je lui tire une balle dans le bras. Et s'il marche, vas-y, marche. Non, te soigne pas. Eh ben je marchais normal. Mais si on se prend une balle dans le pied... Si je lui prends une balle dans le pied, vas-y, mets-la moi. Voilà, et ben là, je peux pas sauter haut. Ouais. Voilà, c'est... donc voilà. Donc déjà, le saignement. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va... Il y a quoi d'autre de spécial? Déjà, je vais expliquer l'interface. Donc, pour changer d'arme et tout, c'est échappe, player, weapon, gear select. Et là, il y a toutes sortes de... Donc, l'arme primaire, on a plein. Donc les armes de base, donc le fusil d'assaut, c'est la ZM LR300 et la M81. Il n'y a pas vraiment de différence à part le style, donc je vous montrerai, là j'ai la M81, je vous montrerai l'autre après. Hop. Le G36, c'est un fusil d'assaut mais qui peut viser, donc en général c'est l'arme qui vise les noobs. Hein. Donc on vous a le droit d'utiliser bien sûr, mais voilà. Le lance-patate, le HK69. La Kalash, donc c'est le AK-47. Le PSG1 qui est un sniper automatique qui fait du dégât, on vous montrera tout à l'heure pour les dégâts. Le SR-8 qui est l'autre sniper, le mieux, l'arme de must de Urban Terror. La Negev, donc c'est l'arme qui tire très très vite, qui a beaucoup de balles mais qui fait pas beaucoup de dégâts. Ce sont les armes secondaires, donc le Space 12 qui est franchement jamais joué. Et ça c'est les armes secondaires, donc la MP5K qui fait les mêmes dégâts que la Negev. Donc elle a presque la même cadence de tir, sauf que c'est un pistolet et une deuxième arme. Et celle-là, la MP45, qui a la même cadence que la AK-47. Donc voilà. Donc alors, on a fait un peu le tour... Déjà, je vais vous montrer aussi qu'avec une arme, vous voyez en bas à droite de mon écran, donc là, ici là où il y a ma souris, vous verrez, il y a écrit automatique. Si je clique sur N, je passe à Burst. Donc attends, si je suis en automatique, ça tire tant que je reste appuyé, pour s'arrêter. Si je clique sur Burst, si je mets en Burst, ça tire 3 balles. Si je mets en... Excusez-moi pour semi-automatique, le... Semi-automatique, en semi-auto, c'est balle par balle. Ouais. Donc voilà. Donc, on a un peu tour. Le rechargement aussi, c'est pas comme dans tous les jeux. D'une, c'est R. Et en gros, quand vous rechargez, ça compte pas au nombre de balles, mais au nombre de chargeurs. En gros, donc, si vous exemple, reste 9 balles dans votre chargeur... Ouais, si je tire une balle. Je tire une balle, il me reste 29. Mais je fais R, je recharge, mon nombre de chargeurs baisse de 1 et ça fait comme si j'avais lancé mon chargeur par terre et que je pouvais pas le récupérer. Donc c'est super réel, je trouve, qui est beaucoup mieux fait que dans les Call of Duty ou les trucs comme ça. Ouais, donc voilà. Donc, alors, il y a à peu près deux niveaux de dégâts dans les armes. Donc je commence avec les snipers. Donc le SR-8, c'est la Attends, snipe. Tu sais quoi? Attends, tue-moi, s'il te plaît. Voilà, j'aime. Voilà, donc là j'ai un SR-8, donc je vais vous montrer ce que ça fait sur la tête de Poncho. Donc en fait les principes du SR-8 c'est que... Ouais, j'ai bien pris un medkit. Donc ouais, je vous expliquerai après les aménagements, enfin les builds qu'on peut faire. On peut prendre plusieurs équipements. Tu viens Poncho? Ah bah moi je suis en bas, j'attends ma mort. Bah attends, tu sais quoi, je vais te tuer et puis tu vas revenir en... Oh. Donc comme vous avez pu le voir dans la tête, ça one shot et ça arrache la tête. Alors viens s'il te plaît. Je vais vous montrer, donc le medikit, donc c'est ça.
sert à soigner. Donc ce qui fait que ouais. quand un personnage est blessé et qu'on n'a pas de medkit, sauf si lui en a un, on peut pas le soigner. Par exemple, je peux vous montrer, donc je blesse Poncho. Je le soigne. Et vite. Tandis que si j'ai pas de medkit, ouais. hop, je lance. Donc là vous l'avez pas attends. Vu, mais même si c'est mon adversaire, ça marche. Donc en gros on peut soigner ses adversaires. Ouais. Alors attends, et là si je lui mets des balles et que je le soigne comme ça, c'est beaucoup plus lent, mais ça va le soigner complètement. Et si lui aussi lance son medkit, attends je vais juste récupérer le mien pour pas que ça disparaisse. Voilà. Comment, lance ton medkit, tu fais la touche qui est à côté de effacer. Effacer. Hop. Non. Hop. Encore. On t'a balancé ton silencieux. Ah oui, parce que Poncho est un... Oh. Non, non, le prend pas. Mais ça a une purée de forme phallique. Ouais, mais arrête. Pose le medkit. Si. Donc là, je n'ai pas de medkit et lui non plus. Donc si je le tue, je peux le soigner. Mais que mais la moitié de sa vie. Que 50% de sa vie. Donc, en image, hop, il a... Et là, hop. Il pourra me soigner complètement parce que j'ai un medkit, même si lui en a pas. Vas-y, médique-moi encore. Mais médique-moi, moi, parce que... Je oh. Oh. Donc okay, on passe à ouais, une autre. On passe au sniper. Bah non, j'ai toujours pas montré. Donc j'ai. Moi aussi, le sniper, ils ont compris non, dans non, les non. pattes. Non, mais on en a pas parlé. Donc regardez, si je lui tire dans les pieds, moins 50% de dégâts. Donc ça enlève la moitié de sa vie. Et dans les bras, c'est exactement pareil. Et je pense qu'on a pas besoin de faire une petite. Dans le torse, on a pas... c'est dans la tête, ça fait ça. Non. Aïe. Reviens ici. Jamais. Oh. Tu joues avec ton corps. Voilà. Donc, dans le torse, ça fait ça. Ça, ouais, ça fait mal. Donc voilà, on va passer au PSG1 qui est une arme assez marrante. Une cul, s'il te plaît. Ouais, d'accord, il pèse. Merci. Donc tu vas revenir à ton spawn et je vais te medic. Ou alors tu sautes dans le vide, c'est pas plus possible. Merde, tu peux. Voilà, le PSG1. Sans mieux. Did the Limiting Thing. Ah aussi, faites gaffe, je vous apprends un petit truc là parce que j'y pense. Did the Limiting Thing dans votre score. En plus de vous rajouter une mort, ça vous enlève un kill. Did the Lemming Thing, c'est quand on se suicide, ça écrit en haut comme ça, Did the Lemming Thing, et ça fait moins un mort, plus ça vous enlève un kill. Ça fait plus une mort et ça enlève un kill. Ouais, donc c'est gratuit. Le PSG1, donc dès que je te tire dessus, tu te soignes. Donc dans le corps, ça fait 97%. Donc ça, là, il peut plus rien faire. Et dans la tête? Non, mais... Ah, mais vas-y, dans la tête. Vas-y, dans la tête, Julie, dans la tête. Dans la tête, ça fait ça. Oh. Maintenant, j'ai montré dans les bras et dans les jambes. Et t'as plus de tête. Juste dans les pieds, ça fait pareil. Oui, ça fait 50%. Ça fait toujours pareil dans les bras et dans les pieds. Donc, ça fait ça. Tu viens, Poncho? Laisse-toi faire, s'il te plaît. Non, mais arrête. Pour le bien de la vidéo. Moins 36%. Ah ouais, c'est de la merde, en fait. Je crois que c'était 50%. Malandrin, va. Arrête de me tuer. Vous voyez là, j'ai 5-3. Si je saute dans le vide, j'ai 4-4. Oh, on a un copinou qui se ramène. C'est pas bien ça. Ah bon, on peut pas l'enlever. Hein. Ouais. Ah, il s'est barré. Oui. Oh, c'est dommage. Bon, petite délice. Si vous voulez. Délicate à Bayustar. Sauter contre un mur, il suffit d'être contre le mur et de cliquer sur espace pour sauter. Voilà. Donc voilà. Je vais vous parler de la UMP. 45 on va pas faire toutes les armes hein. Non mais je vous dis ça c'est les armes qui sont principalement enfin différentes des autres. Donc c'est là fait les mêmes dégâts. Je propose qu'on résume, tu mets ton écran sur pour choisir l'arme et on résume un petit peu ce qui est. Je l'ai fait mais je vais juste montrer la Negev ou la MP5K, c'est le même principe. Donc, tu peux me tuer. T'es où? Va à mon spawn. Je suis ici. Bah, montre-toi. Ah voilà. Maintenant tu peux venir et me. C'est quoi ce. C'est quoi? Tue-moi. C'est pas visé ma parole. Ah. Voilà, okay. Je vais prendre une Negev et. Ouais, avec la Negev, on peut pas prendre de deuxième arme. Parce que vous voyez, c'est une grosse arme lourde qui a 90 balles dans le chargeur. Me tire pas dessus, s'il te plaît. Arrête. Hop, donc je vais venir avec toi pour tester. Donc ça c'est la seule arme avec la UMP 40. As-tu une MP5K? Non, t'as une MP. Bien, s'il te plaît. Arrête de faire n'importe quoi. Donc c'est la seule arme avec la MP5K, donc la MP5K qui est celle-ci. On peut aussi mettre en deuxième arme, mais là je peux pas.
qui font ça dans la tête. Bouge pas. Que 50% dans la tête. C'est tout pourri, donc vous voyez là, je saignais de la tête. Heureux, on se retrouve avec un petit poncho en armure. Ouais. Et parce qu'on a eu une petite idée, c'est un petit problème, vive la connexion de Kéké. Ouais. Donc c'est ça, la Kevlar et casque qui permet de prendre moins de dégâts, mais par contre qui utilise une place, parce qu'il y a un nombre de places, c'est comme dans Black Ops 2. Hein. Enfin, je pense que... Black Ops 2. Il y a un nombre de places, donc par exemple si je prends un troisième accessoire, tu peux pas. Et une grenade, what the bug? Ah non, c'est le contraire. En fait, si je prends, voilà, là vous voyez, si j'ai une seconde arme, là c'est écrit not available, donc je peux rien mettre dans cette case là. Et si j'en mets une grenade, il y a deuxième case où je peux rien mettre. Donc Poncho a choisi comme ça, comme moi là, Kevlar et casque. Donc ce qui fait que maintenant, avant je, avec cette arme là, comme vous avez pu le voir avant, je lui arrachais la tête avec, et maintenant ça fait ça. Ouais, dis la tête de et dans le Kevlar, ça fait aussi moins mal. Et ça ouais. Marque plus en haut, touché dans le torse, mais touché dans le Kevlar. Donc c'est deux items qui permettent de prendre moins de dégâts. Mais par contre, avec ça, ça fait toujours 100%. Ah, ouais, je vais tirer dans le bras, et là... Ah bah merci, Poncho, de te baisser. Esquive. Esquive. Oh. Dans le Kevlar, vous voyez en haut, écrit 100%. Donc j'ai pris mon temps, oui. Attends. Vas-y, bon, on en profite. Si vous connaissez la map... La map Uptown, on va vous montrer un petit glitch. Donc. Petit glitch. Oh, ah, c'est cool. Oh, bah bien. Oui, c'est moi bien. Qui suis censé sauter. Hein. Allez, mets-toi debout. Debout. Hop là. Un petit glitch. Yep, sauté, là. Va, de... C'est cool. Et là, vous pouvez sniper la base ennemie. Ouais, c'est directement vu sur le spawn adverse, donc c'est pas mal. Par contre, le spawn adverse a directement vu sur vous, hein, du coup. C'est logique. Ouais. Oh ok, il m'a mis un coup de couteau dans la tête, c'est très aimable. C'est parti tout seul. Le couteau, on l'a quoi qu'il arrive, on peut pas l'enlever. Sauf sur certains serveurs. Ouais, ouais sur certains serveurs, donc dont on vous fera une vidéo d'ici très peu de temps. Donc, vous voyez, donc, ça one-shot toujours, hein. Je lui avais pas mis de dégâts avant. Ouais. Donc maintenant, on va parler de... je vais vous parler des items. Donc là, je suis sur le menu des items. Il y a le Kevlar et le casque qu'on vient de vous présenter qui améliore. Le silencieux, donc je vais mettre un silencieux. Et bon. le laser en même temps, on va faire les deux d'un coup, si tu moins. Ouais, comme ça c'est vrai. Un silencieux laser, le silencieux augmente de 30% la précision. Et le laser augmente de 25% la précision. Donc je vais vous montrer ça tout de suite dès que Poncho va sortir de sa base. Oui, c'est vrai. Ah ouais, ah bah je savais pas, tu vois, tu m'en apprends une. Vas-y, tu moi. D'accord. Oups. Ouais, bon, au revoir. Donc là vous voyez au bout de mon arme il y a un silencieux. Hop là. Donc la partie noire qui est au bout c'est un silencieux. Et au-dessus il y a un laser. Et vous voyez au-dessus de mon petit point, parce que oui pour moi pour viser j'ai un petit point, c'est pas le viseur de base. Il y a un laser rouge. Et ça augmente de 30, le silencieux de 30% et le laser de 25%. Donc ça fait beaucoup plus de précision. Mais par contre du coup vous avez que ça comme item. Ah non. Oh. Donc, en même temps je vous ai montré le MP45. Y a quoi d'autre? Ta Google, donc je vais vous montrer Tactical Google, ça c'est extra ammo, ça permet d'avoir plus de munitions, et le medkit, on vous a déjà parlé tout à l'heure, je te permets de me tuer. Merci, très aimable. Je n'ai pas besoin de ta carte. Donc là, j'ai... Ok, ta Google qui fonctionne pas, c'est cool. Donc, attendez, j'essaie de régler ça. Tu veux que je te tue? Ouais, je veux que tu me tues. J'aime te tuer. C'est ma passionnée. Si. Double shot. Voilà, ton téléphone a fait un bruit. Non, c'est pas le mien, c'est celui de ma maman. Et si tu l'entends, c'est que t'as des bonnes oreilles parce qu'il est en bas. Ouais, mais... ok, vas-y, tue-moi. J'ai pas encore le tag Google. Donc c'était un petit bug, voilà. Donc là, j'ai un tag Google. Donc dans les options, dans compte, dans options, ici, il y a tag Google Color. Donc vous pouvez changer la couleur. Vous voyez derrière, ça change. Moi je vais laisser en... à la base c'est vert. Moi je préfère le cyan. Et on peut le désactiver. Donc en cliquant sur N. Non c'est P. P pour utiliser l'item. Mais pour ça faut qu'il soit sélectionné en bas. Donc vous voyez là en bas il y a un truc qui apparaît. Et s'il n'est pas sélectionné ça marchera pas. Là hop je peux le désactiver. Je
pas donc, faire mal. Kiki, je pense qu'on a fait un peu le tour. On a fait un peu le tour de tout ce qu'il y a à dire sur, sur le principe. Donc je pense qu'on va se quitter sur cette magnifique mort de toi. Sur mon cadavre. Hop là, sur ma domination, la domination de Paul Shaw. Donc on résume ce que vous avez appris dans cette vidéo. Vous avez appris les items, les armes, et vous avez aussi appris que Paul Shaw avait une maman. Voilà. Allez, salut. Salut à tous.